Ça qu'a fait toutes les gens, dans la dernière vidéo que j'ai publiée, il y a un pile de monde qui pose une question qui m'a dit comment que je fais zoom ça. Dernier tutoriel là, j'ai été édité sur Adobe Premiere Pro, mais on est capable de faire zoom ça à tout sur Filmora. Je dis à la moto comment pour faire. Fonctionnalité qui est à la base zoom ça, c'est le keyframing. Et moi fait deux vidéos déjà sur keyframing. Moi fait une vidéo côté moi explique le concept là, et moi te fait une autre vidéo tout pour montrer comment pour animer un logo sur Filmora et c'est keyframing que moi te utilisé. C'est pas apprendre comment pour faire zoom là qui est encore plus important, mais c'est apprendre notion keyframing là puis bien puis maîtriser le n'importe quel logiciel que vous avez utilisé. Keyframing, c'est une technique dans editing, ça veut dire n'importe quel logiciel que vous avez utilisé ou t'as supposé jeune, à moins que le logiciel ça, son logiciel vraiment débutant lié. Mais pour des logiciels qui peuvent avancer, passer Filmora, tant pour Adobe Premiere Pro, qui c'est la donne qui m'a été édité dernier tutoriel là, utiliser keyframing a bon encore plus d'options. Là, je suis sur logiciel Filmora, je vais prendre deux vidéos, je vais déposer sur timeline logiciel là. Je vais cliquer sur chaque vidéo, je vais faire double clic sur lui et puis je vais mettre à je vais aller dans propriété vidéo qui c'est transform. Je vais mettre vidéo à 50%, à 48% chaque. Ok, ça c'est première vidéo. Deuxième vidéo, je vais cliquer sur lui, je vais mettre le tout à 48%. Je vais mettre lui à 50%. Ok, bon, je vais mettre tous les deux vidéos à 50%. Et puis, je vais cliquer sur une vidéo, je vais mettre lui à gauche. Je vais cliquer sur l'autre là, je vais mettre lui à droite. Ok, ces vidéos ça, vous mettez c'est à 48%. 48. Pour moi faire zoom ça ou bien pour moi utiliser notion keyframing là, nous va prendre playhead moyen, moi placer côté que moi voulais créer keyframe là, côté moi voulais créer pratiquement point. Qui va faire double clic sur vidéo, moi va aller dans animation, là moi venir dans animation, va tomber par défaut sur preset, même pour aller ou supposé aller dans customize. Ok, l'aime revient dans customize là ou après bouton ça. Moi expliquer partie ça ou déjà à regarder dans deux vidéos que me fait déjà ou comment pour utiliser. M'a juste mettre playhead moi là et puis moi ajouter un keyframe. N'a pas ouais point ça li ajouter sous vidéo là. Et puis m'a avancer playhead moi et puis m'a ajouter un autre keyframe. Sauf que dans keyframe ça là, moi vais mettre scale vidéo à 150% par exemple. Je vais ajuster la position. Là, nous sommes capables de voir la vidéo à 3 à gauche. Je vais ajuster pour mettre dans mi-temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de premier keyframe ça, de point ça, à keyframe ça, vidéo ça a fait un déplacement. La sortie dans keyframe là, il a scalé à 50% et puis il est arrivé là à 150% et puis la prend position dans mi-temps frame là. L'aime play il va après ça le bail. Ok, l'arrivée là dans point ça, li camper là. Si j'ai besoin de retourner dans le même niveau initial côté le théâtre, m'a juste ajouter un autre keyframe encore. M'a ajouté keyframe là, le deuxième keyframe là, le troisième keyframe là, la prêter dans la même position, on a même besoin de faire le retourner là. Position initiale théâtre, m'a ajouté un quatrième keyframe et puis dans keyframe ça, m'a dit tourner vidéo à pour moi, scale, ça veut dire échelle là 100% et puis positionner position X là, mettez-le à combien de là? Bon, moi, là, il est à 0. Dans le premier keyframe, je suis capable de mettre à 0 pour moi encore. Et puis, là, je tourne exactement côté le D. Si je veux partir côté mon keyframe, ou après, qui s'albaye. Et c'est exactement ça que j'ai fait dans la vidéo. Je vais ajouter plusieurs autres keyframes. Et puis, dans le point, ça me dit mais qui échelle la vidéo, mais qui position je veux lier, mais qui opacité je veux lier. Si je veux le paraître à 50% ou bien à 100%, je fais ça, je suis capable d'aller sur la deuxième vidéo. Et puis, je ajoute l'autre keyframe. Je vais animer la première vidéo, je vais faire le tutoriel là, je suis capable d'aller sur la deuxième vidéo, ça là, je vais ajouter l'autre keyframe. M'ajoute un premier keyframe, après ça me faut avancer playhead moyen, me mettre un autre keyframe et puis me pas mettre là 150%. Mais là 150% là me va jouer sous position pour me capable placer dans mi-temps encore. Pour qui ça va pas être en bas ça, parce que si vous regardez dans les mains, c'est en bas le dé, je suis capable juste ajouter en l'air et puis me faire même ça me saute faire pour l'autre vidéo. Et puis m'avancer player là encore, mettez un autre keyframe, l'autre keyframe encore pour le capable tourner dans la position initiale. Là, je mettais le scale à 100% et puis je mettais position X à 0 pour le tourner dans la position initiale. Et puis là, je fais animation, la vine by ça. Et puis pour chaque keyframe, comme vous pouvez ajuster rotation vidéo, vous capable ajuster scale, vous capable ajuster position, comme ça tout capable ajuster opacité. Les mettez opacité à 0%, après c'est comme si vidéo pas apparaît du tout. Les mettez à 100%, vidéo apparaît encore. Et même vidéo ça que vous regardez là, si vous voulez, vous capable décider retirer quelques parties dans frame moyen, tant que des lumières que vous regardez derrière là, vous capable décider que pied lumière ça va pas apparaître. Je zoome. Là encore, c'est keyframe que je utilise. Je suis capable de zoomer plus toujours. Et puis, je zoome out. Je zoome in. Je zoome out. Allez sur l'application Filmora ou bien sur n'importe quelle application que vous utilisez. Je viens ensemble avec la fonctionnalité keyframing. Placer un keyframe sur une photo ou bien sur une vidéo. Et puis, ajuster la grosseur vidéo. Je suis capable de dire comme ça. Opacité, position et la trier. Et même avec audio tout capable d'utiliser keyframe. En pile fois les vidéo bien une musique a fini, vous pouvez faire musique là fade out, les musique là commence tout ou capable fade in. C'est tout ça que je vais partager ensemble avec aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo ça pas oublier, bah un like, rejoindre Spanish channel avant subscribe à la chaîne là, partager vidéo ça et puis surtout activer bouton notification pour capable au courant n'importe les nous poster une nouvelle vidéo sur chaîne là. N'après dans l'autre vidéo. Ciao.